à Kourou, Sinamary, Cayenne, et aussi salutations à tous nos partenaires industriels, et à l'ESA, au CNES, et à vous tous qui profitez de ce lancement, j'espère. Et nous allons nous interrompre quelques instants pour laisser le DDO annoncer les dernières secondes. Regardez les bras cryogéniques s'ouvrir à moins de 7 secondes pour le démarrage de la séquence d'allumage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP décollage. Right on schedule at 1839 local, Ariane 5 beginning her mission, lifting off perfectly and beautifully from the ground here in French Guiana with a lot tous of fire. Les paramètres à bord sont normaux. Juste à temps, magnifique. As the DDO says all as well. Le DDO vient d'annoncer que tous les paramètres sont nominaux. C'est la deuxième mission pour Ariane Espace cette année avec deux satellites de télécommunication pour des opérateurs régionaux importants. Les deux EAP donnent maintenant 90% de la poussée. Et évidemment, l'accélération est phénoménale. La propulsion du lanceur est nominale. 775 tonnes de masse au lancement, 5 tonnes d'ergol brûlées chaque seconde, 2,5 dans chacun des EAP. Et le PC qui également brûle 300 kg de combustible par seconde. C'est maintenant l'ordinateur de bord qui a pris le contrôle, qui contrôle les opérations, y compris la séparation des EAP. C'est la première des quatre phases de vol, nous vous les décrirons en détail. Voilà, vous pouvez suivre Ariane ici à l'image, alors qu'elle part au-dessus de l'Atlantique. Voilà, vous avez le moteur Vulcain, le PC, et les EAP ici qui travaillent ensemble. 240 tonnes en 2 minutes de combustion. Là, ce seront les deux premiers à s'éteindre. Vous entendrez dans une vingtaine de secondes le DDO annoncer la fin du travail des EAP. Même ici, on sent les vibrations, c'est phénoménal, alors que nous sommes à 15 km. Si vous êtes dans la station d'observation la plus proche, le bruit et la lumière sont véritablement impressionnant. Voilà, donc on va voir ici, regardez, je crois que c'est la fin séparation du travail des étages d'accélération à poudre. Le DDO vient de confirmer. Les deux points orange ici, vous les voyez dans le ciel, et ici, vous voyez le PC au milieu. Voilà, donc le largage des EAP, pour vous donner une idée. La propulsion est nominale. Un éloignement de 500 km des côtes.